Salut tout le monde, c'est Dina et Safira et ainsi que Bibi. Hola. Alors, une deuxième vidéo sur une bâtisse encore de Bibi. On a l'intention de faire tout à la suite, mais vous aurez des vidéos avec quelques jours d'écart, bien sûr. Alors, tout de suite, on va présenter la maison de Bibi. Eh oui. Alors, dis-nous le principe de cette maison isolée au milieu de nulle part, parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Donc, bah, au départ, j'ai voulu faire une maison donc déjà un peu plus design, on va dire, que mes autres maisons. Parce que D'accord. il est vrai que niveau architecture, j'étais mauvais. D'ailleurs, je tiens à remercier tout particulièrement une amie qui s'appelle Félina, qui est c'est elle qui m'a appris donc à faire de l'architecture. D'accord. Voilà. Donc cette maison est un peu sur le thème des cachettes et de la redstone. Voilà, donc D'accord. c'est vrai que bon, Parce que certains tu es un peu pensent, balèze en Redstone. oh, je suis pas spécialement balèze, mais c'est parce que comme certains qui verront la vidéo pourront dire oui, mais c'est quoi ces systèmes? C'est des vieux systèmes. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, c'est toi qui balades plus dessus, quoi. Voilà, c'est que j'ai fait histoire que ce soit pratique pour moi, que ça fasse de petits trucs mignons. Et que c'était pas loin du défi. Oui, Dina, c'était pas loin du défi Voilà, pas des loin du défi minerais des qu'on a minerais. fait avec Dina. D'ailleurs, la grotte se trouve juste en dessous, dans les souterrains. Voilà. Donc, fais-nous voir un peu ce que Voilà, tu as donc construit. nous Ça me fait allons. penser, tu sais à quoi ça me fait penser, un peu la haie avec le portail comme ça, à Tomb Eh ben, je me suis inspiré de ça. Raider. D'accord. je m'en suis inspiré. Donc, voilà. Donc, nous commençons par la visite du jardin. Qui est Donc, très bien décoré pour dire. je te remercie. La décoration, je l'ai faite personnellement. Donc, nous avons à ma gauche une petite cascade. Donc, un petit coin zen. Donc, vous verrez après, avant de rentrer dans la maison, il y a quelque chose de magique avec cette cascade. Ah bah oui, c'est en banc. C'est juste histoire quand on se promène dans le jardin. Donc là, nous avons l'allée du couloir d'eau. L'allée du couloir d'eau. J'ai trouvé que c'était sympa comme endroit. Donc là, voilà, nous avons des bancs pour s'asseoir. Ah, c'est des bancs, je pensais que c'était le parterre. Bah, c'est une jardinière, mais qui fait aussi banc. D'accord. Voilà. Avec ma fontaine que j'aime tout particulièrement. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Tu ferais gaffe, tu craches de l'eau. Ouais, c'est je suis malade, c'est pour ça. Ouais, j'avoue, t'es un peu gris quand même. Ça fait mal. Oui, voilà. Oui, parce que la mèche de Bibi n'est pas centrée. Ma mèche n'est pas centrée. Ça, après, c'est un détail, hein. Après, ça dépend des skins. C'est vrai, j'ai un skin, je crois, où c'est centré. Donc, voilà. Donc, ici, bah, D'accord. j'ai fait un système pour pouvoir arrêter de l'intérieur la fontaine et la relancer. C'est pour ça que j'ai pas fait, comme certains me disaient, tout simplement mettre de l'eau dans la bouche à la place des distributeurs. Parce que je voulais justement que ça reste dans le thème de la redstone. D'accord. Ce qui est un peu dommage, c'est que la base est bien aménagée, bien décorée. Et ici et l'autre côté, c'est que de l'herbe, quoi. Oui, c'est que ici et de l'autre côté, justement, j'allais y venir, ce sont mes coins culture et élevage. Donc des coins qui n'ont pas forcément besoin d'être décorés. Bah, ici, c'est un coin perdu, mais sauf que disons qu'on n'a pas forcément envie, quand on se promène dans le jardin, d'aller se promener à côté de la serre. Oh, ouais. Tu sais, tu mettais trois plantes et quelques herbes et c'était fait, hein. Mais bon, voyons voir Alors ici, donc cette nous arrivons serre. à la serre, donc qui est sur le thème de la redstone. Donc avec un système d'entonnoir et d'eau qui récolte automatiquement la nourriture.
Bon, comme ça ne dit replante pas, Dina, nous ne sommes pas du tout fans des machines. Mais bon. ça, c'est un avis personnel. Ouais. Ah, mais moi, personnellement, j'ai juste fait ça pour avoir un gain de temps. Oui, oui, non, mais je sais bien, t'inquiète pas pour ça. Voilà, parce que après, c'est vrai que moi, spécialement, je suis pas un adepte non plus des machines d'élevage en batterie ou des trucs comme ça, non. Ça... Et du coup, ça marche comment? Alors, bah, il suffit de tirer le levier, comme ceci. Donc, l'eau s'écoule, et ce qui récolte automatiquement en envoyant toute la nourriture dans les entonnoirs. D'accord. Voilà, ça m'y récolte automatiquement. Et ça m'y envoie. Et il faut que tu replantes manuellement. Voilà, ça, c'est faut que je replante manuellement, par contre. D'accord. D'accord. Oui, 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 c'est assez basique. Oui, voilà. Bon, c'est ça fait un gain de temps, quoi, c'est tout. Ouh, là-bas, oui. Oui, voilà, c'est juste histoire de gagner du temps que quand je récoltais ma nourriture, que j'ai pas tout gratté. Ah, il y a une carotte qui est pas descendue. Oh, la méchante. Ça fonctionne pas, bouh. Oui, tu t'es pas, oui, t'as pas caché la redstone. Là, pour celui-là, non. Pas envie. Voilà, et même, disons que c'est bien quand la redstone est cachée, c'est esthétique et tout, mais disons que ça prend beaucoup plus de place. Oui, forcément. Là, par exemple, pour l'endroit de l'interrupteur, il aurait fallu que je fasse entre 3 et 4 blocs d'épaisseur juste pour cacher le système de redstone du levier, juste ce système-là. Donc, mm-hmm. Donc là, nous avons la petite terrasse avec le barbecue. Ouais, du feu. Voilà. Sans les chamallows. D'ailleurs, un barbecue, sans me vanter, qui est un peu plus grand que le barbecue de chez Safira. Oui, non, mais les miens, c'est pas moi qui les ai faits. Et puis, c'était au tout début, donc... Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous demander de rester devant la cascade et de ne pas observer ce que je fais. S'il te plaît, Dina, va devant la cascade. Dina, s'il te plaît. Dina, s'il te plaît. Merci. Voilà. C'est que je cache un peu mes interrupteurs. J'aime bien que ce soit caché. Donc, dans la cascade, nous avons un accès. Oui, je sais ce que tu vas dire. Le mur, c'est en bouse. Faut que je... Ouais. C'est vrai que ça, je n'y avais pas spécialement pensé. Mais avec la piscine. La piscine cachée. Et là, il manque un bloc de lapis. Oui. Ça, c'est que quelqu'un a dû me le casser et me le remplacer sans faire attention à ce que c'était. Donc, je ne citerai pas le nom d'Inaloudi. voilà. Donc, cette piscine... C'est sympa avec les petites vitres, là, sur les côtés. Ouais, ça rend bien. Avec la piscine qui a été remplie par les soins de notre amie Safira. Je m'en souviens même pas, tu vois. Voilà, donc là, nous avons un petit interrupteur. Pour Safira, fermer. Voilà, pour fermer. Donc, j'ai fait un système... Donc, j'ai fait un système donc, de double ouverture et fermeture. Pour être tranquille. Voilà. Non, mais surtout pour qu'on puisse fermer quand on est dedans. Mais même comme ça, quelqu'un qui sera à l'extérieur pourra ouvrir si c'est où se trouve l'interrupteur. C'est dommage, on ne peut pas sauter. Oui, c'est un peu bas de plafond. Mais malheureusement, bah, comme je disais, dans les sous-sols, il y a la grotte du défi des minerais. Oui, oui. Donc, j'ai été assez limité. D'accord, d'accord. Voilà. Bah après, si tu veux plonger, tu viens ici, voilà, hop. Oui, oui. Mais bon, il y a un plongeoir, t'es censé pouvoir plonger du plongeoir. Mais bon, tout en quartz. Oui. C'est un tomboir, ouais. Voilà, ce n'est pas un plongeoir, mais un tomboir. Et en plus, c'est marrant parce que avant d'aller à la piscine, tu te mouilles déjà. Voilà, bah c'est comme les rince-pieds. Oui, par contre, un problème que je n'ai pas réussi à régler ici, c'est les monstres. Pourtant, j'ai éclairé tout le jardin. Mais bon, il doit y avoir un ou deux endroits où c'est un petit peu moins éclairé que le reste, donc les monstres. Ah, oui. Ah. Mais bon, avec notre chère Saphira la guerrière. Oui, c'est pas pour ça. Voilà.
Donc ici, nous arrivons donc dans le hall d'entrée de la maison. Avec des placards à chaussures. Malgré que... C'est ouvert, là, c'est normal. Oui, oui, c'est tout c'est à fait exprès. Normal. Oui, c'est fait exprès. Oui, j'ai beaucoup de chaussures. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Oui, il fallait combler les vides. Voilà. Ici, nous avons le magnifique salon avec cheminée. Des bibliothèques. Voilà, des bibliothèques. Donc, la déco intérieure faite par notre amie Safira. Non, c'est pas vrai. Bon, bah, tu mens, tu vas au coin, c'est bon. Non, mais voilà, donc. Bon, sauf la cheminée qui n'a pas été faite par Safira. Non. Bah, ça, justement, c'est un cadeau de mon amie Félina. D'accord. Une belle cheminée sculptée. Tout à fait. Très belle cheminée. Ouais. Très très belle. Donc là, des petits bureaux aussi. D'ailleurs, je vois pas pourquoi tu les as tournés devant les fenêtres. En gros, c'est... Oui, bah hein, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. En plus, t'as pas choisi les meilleures fenêtres. Parce que la vue est magnifique. C'était pas non plus... Oui, c'est vrai. Oh, et puis t'avais qu'à le faire. Oui, après, c'est vrai. C'est que, disons, derrière cette haie, il y a un grand lac. Et bon, c'est méchant de dire ça, mais j'avais la flemme de le boucher, le lac, pour agrandir le jardin. Sinon, j'aurais mieux décoré. Donc là, nous arrivons alors à la salle à manger. Donc, salle à manger avec un bar. Où je ne sers pas d'alcool aux mineurs, mais par contre, je préviens tout de suite. Et dans les coffres, il n'y a pas de boisson. Oui, non, il y a mes équipements spéciaux, on va dire. Les équipements que je réserve à Safira les jours où elle m'ennuie un peu trop. Il n'y a pas d'eau ici, j'en ai mis. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons la petite cuisine un peu style américaine. Tout à fait. Très jolie. Voilà. Avec Safira, d'ailleurs, qui a une très bonne idée pour faire des placards. Merci. Là, j'ai été bluffé quand j'ai vu ça. Il n'y a pas de frigo. Oh. C'est ce coffre, le frigo. Voilà, tout à fait. C'est ce coffre. On regarde dedans, c'est là où je stocke un peu de ma nourriture. Bon, avec, entre autres, je stocke d'autres choses avec. Mais... Voilà, ça donne un goût boisé aux petits Suisses. Donc, ensuite, la grande surprise de cet endroit, les escaliers sont rétractables. Ah oui. Voilà. Donc, et petite précision avant que j'oublie. Au plafond, nous avons un système d'éclairage automatique. C'est-à-dire voilà. Eh ben, donc, la journée, les lumières sont éteintes. Et dès que le soleil se couche, elles s'allument toutes automatiquement. Il n'y a pas d'interrupteur ni rien. C'est tout de redstone. Voilà, c'est un système de redstone avec capteur de lumière. D'accord. Tout simplement. D'accord. Ce qui nous donne un assez bel éclairage d'ailleurs. Oui. Donc et là, il fait nuit. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, il fait nuit, étant donné que c'est allumé. Voilà. Donc là, donc escalier rétractable. Bien sûr, j'ai mis une sécurité. Donc, ce qui fait que là, ça se bouche, le plafond, quand l'escalier est rétracté, pour éviter qu'on tombe, parce que ne bougez pas. Voilà. D'accord. Un système de double fermeture. Donc, pour éviter justement qu'on m'ennuie la nuit. Ouais. Nous allons commencer. Et donc, ton système de lampe, c'est à tous les étages. Voilà, à tous les étages. D'accord. Ouais, c'est bien caché. T'as dû faire peut-être une épaisseur de toit plus haut. Oui, voilà. J'ai fait une épaisseur entre les étages
plus importante pour cacher le système. Alors donc voici la chambre d'amis. D'ailleurs avec des magnifiques vasistas pour voir les étoiles. Oui, tout à fait. Et là, une vue sur le lac de l'arrière de la maison. Ah oui, d'accord. Voilà. D'ailleurs, d'ici, on voit l'entrée du défi des minerais. Oui, mais c'est pas au-dessus du lit, en fait. C'est parce que au-dessus du lit, si on regarde, il y a la cheminée qui passe. Donc, on aurait mis les vasistas là, ça aurait pas fait une belle vue. On aurait une magnifique vue sur la cheminée. Et il y a une jolie vue sur le jardin aussi, là. Oui, un peu petite, par contre. Ouais. Nous ne pouvons pas tout avoir. Tout à fait. Donc ici, nous avons rapidement une pièce d'enchantement. Avec, voilà, accès sur une petite mezzanine où j'ai mis l'interrupteur pour ouvrir l'escalier d'en haut. Mmh. Ouais. Oui, aussi. Ça pourrait être bien. Faire un petit coin lecture. Ouais. Voilà. Ensuite, donc, nous avons... Ah. Oh oui, c'est une mezzanine. Mais disons que vu qu'il y a le système d'éclairage automatique, c'est une mezzanine assez épaisse, on va dire. Ah oui, là, les lampes se sont éteintes, d'accord. Voilà, il fait jour, les lampes sont éteintes. Donc là, nous avons ma chambre, qui est une très jolie chambre, d'ailleurs. Avec un magnifique balcon. Ah là, donc là, où est notre amie Dina? Voilà. Il y a même un petit dressing et tout. Voilà, je me suis fait un dressing avec un magnifique éclairage. Avec le balcon. C'est dommage, la vue est sur le système de redstone et la serre. Oui. C'est un peu... Bah, disons qu'au départ, ce n'était pas... C'était pas prévu. Disons que j'ai construit la maison avant de faire le jardin. D'accord. Mais nous avons tout de même une jolie vue. Si on regarde un peu plus haut. Ouais. Voilà, donc ici, c'est... Avec un petit bureau fermé. Voilà. Oui, c'est en haut, en fait, que je cache mes victimes au-dessus du bureau. Ah oui, d'accord. Voilà, non, mais en ce moment, je n'ai tué personne. Mis à part Saphira une trentaine de fois la dernière fois. Tu te fous de moi, je suis allé chercher 64 diamants, il en a deux ici, les jeux. Ah bon? Ah là là, je vous jure. Ensuite, bon, là, nous avons la plus petite pièce de la maison, ce qui est dommage d'ailleurs. La salle de bain. Voilà, donc elle est petite mais coquette. Hein. C'est... C'est pas moi qui ai décoré. Non, là c'est moi. Ça se voit tout de suite. Disons que c'est une décoration bien plus sobre. Oh, il y a le défi des minerais là-bas. Oh, bah si, il y a quand même une baignoire. C'est déjà ça. Il y a le défi des minerais là-bas, Dina. Alors, où vous voyez la petite tour rouge, c'était le début du défi des minerais. Et là, du coup, bah, pour vous montrer un peu le système que j'ai fait pour l'éclairage automatique, nous avons ici le grenier. Voilà. Donc ah oui, là, d'accord. On voit le système d'éclairage automatique qui est tout simple, hein, tout bête. D'accord. Et c'est aussi plus ou moins une salle des coffres. Non ? Oui, ça me sert aussi de salle des coffres. Oui. Voilà, excusez-moi. Donc oui, là, ça fait salle des coffres en même temps.
C'est bah, de toute façon, c'est comme tout grenier, hein. On y fout le bordel, pour ainsi dire. Oui, oui, oui. On y met tout notre bordel, tous les trucs qui servent alors, à rien. Ça marche par quoi? Ça marche par répétiteur et... Voilà, enfin, les répéteurs, c'est juste pour que je n'ai pas à faire 150 systèmes de redstone. Donc, avec un inverseur, tout simplement, qui est relié à un capteur de lumière. Et il est où, le capteur de lumière? Juste derrière l'inverseur, en fait. Là, quand on casse D'accord. le bloc, il est tout de suite derrière, incrusté dans le toit, en fait. D'accord. Donc, on va dire que je suis à l'énergie verte, au panneau photovoltaïque. Ok, c'est bien. Voilà, faut renouveler l'énergie. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu penses écolo. Oui, voilà. Et ensuite, oula, c'est fermé. Et dernier petit point. Parce que c'est vrai, bon, on va dire que normalement, c'est un système qui est censé être un peu secret. Mais bon, pour vous, je vais le montrer. D'ailleurs, vous allez voir que mon système d'escalier a un bug depuis la dernière mise à jour. La dernière marche ne rentre plus. Ah oui, d'accord. Mais, donc, restez ici une seconde. T'imagines les gens qui savent pas, qui savent pas. Oh, c'est un siège. Ah, non. Voilà, c'est tout à fait, c'est un siège. Et voilà. Ah, une salle de détente. Voilà, une petite bibliothèque avec une porte à code. D'accord. Qui l'amène. Excusez, j'ai fait un bac à eau improvisé. Parce que ici, c'est mon petit coin alchimie. D'accord. Mais voilà, j'ai dû y planquer étant donné que Dina est quelqu'un la de... La cave. Oui, voilà, pour ne pas dire bas de cave, parce qu'on va dire que je me suis déjà fait insulter pour ça. C'est la mini-cave quand même, hein. Il faut pas voilà. être beaucoup. Hein. Ah ben non, d'un côté c'est censé être secret parce que disons que Dina est très jaloux et ne supporte pas que d'autres personnes que lui touchent à tout ce qui est un peu magie, dont l'alchimie et les potions. Voilà. Et Dina n'était pas content. Ah, Dina n'est pas content. Il m'agresse parce que... Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'utilise aussi donc, des systèmes... pour cacher les interrupteurs qui sont quand même assez bien. C'est clair de rien, voilà. C'est, on tape dans le mur pour créer l'escalier. D'accord. D'accord, d'accord. Après, donc, voilà. C'est vrai, ouais, c'est vrai que... mal au bout d'un moment de connaître sur les murs. Ouais, bah, c'est pour ça, au début, je voulais faire ce système-là pour allumer les lumières, mais je me suis dit faire ça tous les soirs. Donc d'accord. Donc c'est une maison moderne en redstone. Tout en ayant. En résumé. Assez bois, nature. Oui, et puis basé beaucoup quand même sur la redstone. Ouais. Quelques petits secrets. Voilà. Assez grand. Aujourd'hui, c'est ce que tu considères comme ta maison actuelle? Voilà, là, c'est ma maison actuelle et pour le moment, ma maison définitive. D'accord. Parce D'accord. que sincèrement, je trouve que c'est ma plus belle réussite au niveau architectural. Parce que même le château, d'ailleurs, que nous avons visité sur une vidéo précédente... Et lui, c'était encore assez carré. Mmh. Bah, oui, on voit quand même une certaine évolution entre le château et ici. Voilà. D'ailleurs, bah, j'ai un projet donc, de retaper le château et donc de faire quelque chose de... d'assez joli, on va dire. D'accord. Bon, là, on peut voir en face un espèce de... soucoupe volante. c'est un de tes projets aussi? Voilà, tout à fait. Pas fini. Pas fini. Donc, oui. Enfin, il reste de la décoration intérieure à faire, mais si du coup vous voulez faire la visite, parce qu'on va dire, il y a au moins les maisons témoins qui sont faites.
Ouais, mais autant la fignoler avant et Oui, faire une voilà. bonne vidéo, quoi. C'est sûr, mais moi j'attends juste la disponibilité de notre décoratrice préférée. Ouais, bien sûr. Tout Saphira à Damido. fait. Donc, et ben voilà, merci de cette visite. Et ben de rien, merci à vous d'être passé prendre un café. Et ben de rien, ça nous fait plaisir. Et puis, et ben à une prochaine dans les vidéos de Dina et Safira. Et Bibi. Bye! Bye.